Ça, c'est un des moments les plus importants du Tour de France, c'est la chasse à la canette. Ils entrent dans le bistrot, ils bousculent tout le monde. Ils ne vont pas jusqu'à piller, mais enfin, ils réclament, ils prennent n'importe quoi, du vin rouge, du champagne, de la bière, même de l'eau, quand ils ne trouvent pas mieux. Et en général, c'est ce qu'ils devraient prendre, c'est de l'eau. Et puis ils s'en vont, bien souvent sans payer d'ailleurs, faut bien dire. Il faut dire aussi qu'à la fin du Tour de France, le directeur du Tour de France reçoit quelques factures. Parfois, ils perdent jusqu'à 2 et 3 minutes, alors il faut qu'ils chassent pendant 20 km pour revenir après. Mais ils ont une excuse, parce qu'ils transpirent tellement. On a calculé que dans une étape chaude du Tour de France, un coureur peut perdre jusqu'à 4 kilos, et à vrai dire, jusqu'à 4 litres de sueur. Alors il faut boire, il faut boire. Il faut boire ou il faut s'arroser.